10h05. 10h05 et ça y est, on est en live. Est-ce que j'ai pensé au son? Est-ce que j'ai pensé que je pouvais baisser le son comme ça? Comme ça le baisse pas, mon ami. Pour baisser, il faut aller là. Hop. Ouais, non, mais attends, ça le baisse. Pour moi. Voilà, j'avais besoin de ça. Hello la team. Alors, yes, Gaël. Salut mon Gaël, c'est la première fois que je te vois chez les agrumes. Salut Gaël, enfin, la première fois que je vois, pas chez les agrumes, que je te vois dans la matinale. Je n'ai même pas regardé où je publie. Bon, 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 bon. Ben, c'est le 24, c'est réveillon dans quelques heures. Vite, 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 le temps d'aller regarder ici si je suis good. 5 personnes qui regardent. La Mastouk est là! Régine qui est là. Bon, pas de Blue Jean aujourd'hui, mais un Skype. Donc celui qui veut m'appeler en Skype, il n'y a pas de souci. Enfin, je dis ça, je l'ai ouvert. Oui, j'ai ouvert Skype. Voilà. On est bah oui, on est tous dans les starting blocks pour Noël. Oh, je suppose que le son, c'est bon. Bah non, quand même. Qu'est-ce que tu dis non à quoi? Mon Gaël, tu dis non, mais comme il y a un décalage, je ne sais pas quoi tu dis. Attends, j'écoute le son. 5 personnes qui regardent. Super. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'écoute le son et je pose ça ici pour voir qui rentre. Il y a Leïla Attal qui est là. Il y a Yann Chemoul. Hibiscus, Laetitia, Mastou, 5 autres personnes. Voilà. Ici aussi, il faut que je le mette. Alors, grasse mat aujourd'hui. En fait, ce n'est pas grasse mat que je devrais dire. Je devrais dire réveillé très, très, très tôt. 4h45, réveillé. Et figure-toi qu'il y avait Tinette qui était réveillée aussi. Ah, c'est pas ta première matinale. Autant pour moi, autant pour moi. Je n'avais pas vu que tu étais passé par chez nous pour une matinale. Voilà, ben c'est moi, c'est moi. Salut Olivier! Hein, Olivier, en tout cas, hier, vous avez foutu le désordre jusqu'à pas d'heure, hein, jusqu'à 1h45, ça bavardait sur WhatsApp. Et puis, ce matin, quand je me suis réveillé à 4h45, dis donc, toi! Ah bon? Non, mais ben, c'est Noël, ça se jette dans tous les sens. Et donc, quand j'ai vu ça à 4h45, j'ai dit, mais taisez-vous qu'on puisse dormir. Mais puis après, j'ai pas pu me rendormir. Et sur le coup de 6h, je m'étais mis la télé. Et je me suis endormi one shot. Hein. Quoi, moi? Mais si, toi, toi. Vous n'étiez pas nombreux à faire le désordre hier. Hein. Elle a bon dos, la pleine lune. Enfin, bon, bref. Est-ce que tu connais ça? Ah merde. Ça. Raffaello. On ne doit pas faire de publicité? Je fais de la publicité si je veux. Raffaello, c'est de la tuerie. Quand j'en commence ça, je finis le paquet. Faut juste faire gaffe de ne pas faire tomber de miettes. Voilà. Bon. Plein écran, c'est deux. Il est bizarre ce plein écran. Salut Joël. Oh, vite, je regarde. Coucou Joe, Pascal qui est là, salut les jeunes, moi aussi, ah ben oui, il n'y a pas de problème, j'accepte, sers-toi un café, un sucre ou deux, salut Nicolas Béel qui est là aussi, bon ça va aujourd'hui a priori il n'y a pas beaucoup de monde qui bosse peut-être, non? Enfin j'ai vu quand même qu'il y en avait, hein. À la run ça bosse, hein. Le SCO a envoyé une belle photo tous en rouge là, superbe. En tout cas, c'est efficace. Qu'est-ce qu'on fait? On attaque par quoi? Par les anniversaires? Tu as fait quelque chose dans tes cheveux? Oui, bah oui. Oui, j'ai fait quelque chose. Non, j'ai utilisé des filtres. En haut, là. Alors, j'ai coupé un petit peu. Personne ne me dit rien pour la barbe. Hein. Olivier, tu bosses. Je veux bien croire. Je veux bien croire qu'OBS aujourd'hui a un truc hyper, hyper important. Salut Ghislaine. Je veux bien croire qu'aujourd'hui, OBS a un truc hyper important. Ils t'ont dit, Monsieur Olivier, venez, venez travailler parce que sinon, on est mort. Je le crois, je le crois. Ouais. Il est trop fort. Salut André. Comment vas-tu? Toi aussi, tu bosses, André? Bon, j'espère que vous avez réussi à. Mais oui, je bosse, d'accord. Je ne discute pas. Tu dis que tu bosses, tu bosses. C'est bon. Voilà donc, c'est la barbe qui manque. Mais oui, j'ai. En fait, je t'explique, parce que tu n'étais pas là, Régine, hier.
Quand je suis revenu chez le coiffeur, j'ai commencé à me raser, parce que pour faire un peu classe. J'ai rasé d'un côté et j'ai rasé de l'autre. Et puis je me dis, oh putain, j'avais trop déplacé. Donc j'ai essayé de régler de l'autre côté. Laisse tomber. Quand c'est parti comme ça, c'était le désordre. Donc là, j'ai tout dégagé. Et puis voilà. Donc j'ai perdu 15 ans. Merci, t'es gentil. j'ai perdu 15 ans. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Tu travailles aujourd'hui? Là, c'est des lignes qui me disent ça. Ah, Edith, salut mon Edith, comment tu vas? Edith, tu veux pas. Tu peux pas savoir, mais j'ai trouvé quelqu'un du côté de. Tiens, pourquoi ça s'abaisse comme ça? Ah ouais, c'est le truc. J'ai trouvé quelqu'un du côté, je crois, de Nancy, qui fait comme toi, qui fait pète alerte sur son mur aussi. Joël, t'es choqué par quoi? Rentre dans le Skype, hein, si tu veux. André travaille aussi. Bon, écoute, on fait les anniversaires, comme ça, après, on peut déconner comme on veut. Alors, les anniversaires, c'est en trois, c'est parti. Voilà, encore une belle journée. Yes! Avec tous ceux dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, tu vois que des gens bien. Alors, je te rappelle quand même encore, parce que bon, comme il y a tous en plus des gens qui arrivent et tout. Salut Youssef! Ça fait longtemps, mon ami. Qui c'est qui arrive d'autre? Bah non, je regarde là. Souleymane qui est là, Olmage qui est là, Antoine Perron. Oh, Olivier qui travaille. On aura tout vu, c'est Noël, pas le 1er avril. Bravo, bravo, bravo. Où c'est que tu as vu un célibataire? Où c'est que tu as vu un célibataire? Un célib, lol. Bon, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il était célibataire. Bon. Alexandra Tocatian qui est là, Assidouba. Allez, on fait les anniversaires, comme ça c'est fait. Il faut penser quand même à ceux qui viennent en replay. Et tiens, j'ai le fil qui dépasse. Si Paoli arrive, elle va dire, ouais, le fil qui dépasse me gêne. Tu sais comment elle est un peu. Hein? Elle est un peu. Bon, enfin bref. Joyeux anniversaire aujourd'hui à Alexandre Abattier, à Julien Lovera, à Émilie Bachelier, à Léa Edvé, à Manon Sabatier, à Marjorie Le Prince, à Joël Mensa, à Jacqueline, à Warda Douari, à Alexandre Aude, à Soizic Cavray, à David le Hobbit et à Félix Naze, un cousin à moi. Voilà. Pas beaucoup, hein, mais. À tous et à toutes, joyeux anniversaire. Vous prenez un an de plus, donc vous devenez maintenant sage, hein, et sérieux. Et aujourd'hui, c'est bonne fête à toutes les Adèles. J'en connais pas d'Adèles. Si, à part celle qui chante Hello, it's me, are you? Oui, comme moi, et Dingo des chiens. Un célib, lol. Ah, tu veux dire, oui, celui. Bah, je sais pas si c'est à. Ah, c'est aussi fête aux Adelines? Eh ben, je vais modifier ça. Hein? Voilà. Bonne fête aux Adèles et aux Adelines. D'accord, donc voilà. Tous ceux dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, bah, pas de chance. Pourquoi pas de chance? Eh bien, parce que anniversaire en même temps que Noël égale un seul cadeau. Avec la crise, c'est rare qu'on va t'en faire deux. C'est mieux. L'idéal, c'est avoir son anniversaire en juin et Noël, comme ça fait vraiment 6 mois, 6 mois. Voilà. En plus, alors là, si tu t'appelles Adèle et que c'est ton anniversaire aujourd'hui, il n'y en a pas là. Enfin, pas que je connaisse. Là, c'est la guigne-guignette. Parce que. Anniversaire, Noël et fête le même jour. Pour peu que tu aies fait ta communion ce jour-là, c'est cuit. Enfin, tu m'as compris, quoi. Non, non, mais c'est juste question de trucs. Joyeux anniversaire aux agrumes du jour. Une bonne idée. Au lieu de Vélib, tu fais un célib en libre accès dans Paris. Succès garanti. Ça a pété un câble, on a mis André ou quoi? Toujours quoi? Viens, ma chérie. Viens te dire bonjour. Mais non, mais tu viens. Je te Bonjour. mets un grand écran. Tu dis joyeux Noël. Joyeux Noël. Mais regarde ta figure. Baisse ta tête comme ça. Voilà. Avant, Joyeux Noël. tu étais petite, tu arrivais à passer tout petit, mais là maintenant c'est foutu. Bon, qui est arrivé? Sébastien, Joël, Philippe Drouet, Maguette Sarr. Salut Maguette. Maguette. Un jour, on va réussir à se voir. Ça vient, ça vient. Racidou, Nadia, Hervé. Oui, de quoi je voulais parler? Déjà, je voulais me mettre en grand écran. Non, 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 je voulais mettre sur le iPad. Tiens, je vais me mettre sur le iPad. On va parler un petit peu d'un poste là qui m'a fait réagir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ça. Il faut faire, tu sais que tu bosses chez Orange Camp. Voilà. Donc il est derrière. Je prends le iPad, c'est le 4. 1, 2, 3, 4. Voilà.
Exact. Bon, t'as vu le beau petit label, petite bannière que j'ai faite, vite fait ce matin, réveillé. Réveillons des agrumes, la communauté, enfin bon, bref. Je descends. Alors, Pascal n'est pas là, hein. Il n'a pas dit. Non. Chérie, on te dit joyeux Noël. Hein. Tiens, le papio, il a mis un truc. Je vous souhaite un bel, joyeux et bel Noël. Ok. Sandra, bon, Sandra qui doit être très occupée ce matin. Idée du jour, c'est pas ça. Ça, c'est Elisa. Oh mince! Je croyais que c'était une photo d'un agrume, ça j'ai vu. Les 25 jours de congé. T'as vu Elisa qui nous met toujours des bons plans? Elle dit qu'avec les 25 jours de congé payés de 2019, si tu te démerdes bien, tu prends 59 jours. Ça, c'est le genre d'article qu'il faut aller lire. Je connais des gens qui, arrivés au 31 décembre, ils font ça. Ils vont regarder sur le calendrier tous les endroits où tu peux poser. Tu vois, genre là, cette année, là, en fin d'année, tu posais le lundi. Les deux lundis, là, eh ben, tu partais samedi, dimanche, lundi, mardi. Tu vois, des trucs de 4 jours. Eh ben, là, il doit y avoir, l'année prochaine, ça doit être 2 jours. En fait, tu poses 2 jours et tu pars 5. Salut Harry, comment tu vas, mon ami? Non, mais ce n'était pas ça que je voulais te montrer. Je voulais te montrer, donc c'est quoi ça? C'est une boutique. Steve, mais c'est Opéra. Mais pourquoi il a mis à l'envers? Ah, il est fatigué, le Steve. Hein. Ah ouais, c'est Opéra. Voilà, ça, c'est la belle photo des... Attends, je te mets ça. Si, je fais ça. Voilà, je l'ai en plein écran. Tu as toute l'équipe de la Run hein, qui est là. Alors, je ne sais pas si c'est aujourd'hui. Oui, ça doit être aujourd'hui. Tous ceux qui bossent là-bas. Tu déconnes, Babylone. Hein. Ouais, tu déconnes. Donc ça, c'était la Run. Ça, je voulais te le montrer. Bon, bah, tu l'as vu. Non, mais en fait, je fais un peu revue de presse pour tous ceux qui ont la flemme ou qui n'ont pas le temps. Eh oui, la réunion, Harry. Comment tu vas? Je sais pas si tu travailles, toi. Je sais pas. Enfin, si tu travailles, on va se voir cet après-midi. Je passe à ODS. Ça m'étonnerait. Non, je veux pas dire que... Je pense que si tu travailles, tu es sur un autre site. Quoique, je crois qu'il n'y est pas, hein, ton collègue, là. Non, où est-ce qu'il est, le poste qui m'a gêné? Non, ben ça, c'est le petit mot de Lalou. J'adore toujours ces petits mots qui donnent la pêche le matin comme ça. Salut Lionel, comment tu vas? Tiens, il y a Sébastien qui est là. Liste des choses à faire pour Noël. Être présent, envelopper quelqu'un dans mes bras, de mes bras, ouais, d'accord. Envoyer de l'amour, donner de la nourriture, faire la paix, être là pour quelqu'un. C'est beau, non? Elle a toujours des mots comme ça. Elle est top. Moi, j'adore. Passe à Stadium. Olivier me dit, attends, non, mais Olivier, tu as raison. Tu as raison parce que je vais chercher une voiture d'autopartage, je ne sais pas où. Là, j'ai dit à ODS, mais attends. Que je ne dise pas de bêtises, excuse-moi, hein, je fais mon truc. Voilà, réservation. On est quoi, le 24? Le 24. Tiens, elle est là. Non? Si. Olivier de Serres. Non, j'ai eu un Olivier de Serres. Dommage, hein, Olivier? En fait, je ne vais pas à Stadium, j'ai Olivier de Serres. Ah, non, je bosse en télétravail, il ne faut pas déconner. Il est plus haut, Christophe Ndi. Ah, le poste, tu veux dire le poste dont je veux parler est plus haut. Attends, je vais trouver. On va voir ça tout de suite. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc de consulting, là? Il y a partagé un lien. Ouais. Tu vois ça, par exemple? Tu vois ce que je te montre, là? Ce poste-là, sur le mur du groupe. David Lemoy, très gentil, il nous partage ça. Actualité, plan vigilance, orange, ok, voilà, très bien. Voilà. Aucun commentaire, rien. Voilà, on ne sait pas quoi dire. Donc, il faut cliquer pour aller voir de quoi il est en place. Plus haut, pas plus bas. D'accord, plus haut, ça veut dire quoi? Plus haut, comme ça? Plus haut. Et hop, je remonte. Excuse-moi, hein, ça fait mal aux yeux. Alors, plus haut. En fait, pour pas que tu aies mal aux yeux, il faudrait que je fasse ça, plein écran. Quoi, tu vois, je fais comme ça. Voilà, je cherche et je reviens. Il m'a dit plus haut. Non, mais c'est un collègue qui demande un coup de main et en fait, ah bah oui, c'est là. Excuse, ah ouais, j'ai fait le con, c'est ici. Voilà, donc je reviens à iPad qui est le 4. Laisse-moi m'entraîner avec mes choses. Voilà, c'est terminé. Tu vois, c'est Christophe ici qui demande bonsoir, quelqu'un du 3900 pour une modification d'un numéro de mobile ajouté par un conseiller sur un dossier sans mon accord détaillé en MP. Merci d'avance. Jusque-là, tout va bien. Juste un petit truc, ça te gêne pas que ça soit écrit recommandation avec un E? Ça, c'est Facebook. Merci les gens de Facebook.
Je sais qu'ils ont une histoire, parce qu'en fait, sur le téléphone, tu le vois avec un A, et là, tu le vois avec un E, c'est une histoire de traduction. A priori, en anglais, ça se fait comme ça. Alors là où ça me gêne, là où je suis un petit peu embêté, c'est que dans les commentaires qui suivent ça, donc ça part, ouais, donc Christophe dit, problème à régler suite à un conseiller GDT qui a imposé un numéro de mobile, blablabla, et ainsi de suite. Et là, ça part en misère. Pourquoi? Parce que bon, ok, le gars, il a peut-être fait une erreur. Je ne veux même pas rentrer dans les détails, je ne sais pas de quoi il s'agit, c'est un truc qu'ils règlent entre eux, ok, voilà. Et tout de suite, quelqu'un qui dit, attention, l'intérêt d'ajouter un conseiller GDT, conseiller aurait suffi. Je suis un petit peu d'accord avec lui, parce que pour moi, GDT, AD, tout ça, c'est le même combat. Et c'est parti à la guéguerre, machin, bidule, tu es concerné, blablabli, blablabla. Moi, je le vois à 4 h du matin, ça. Je suppose que les modos avaient fait un petit truc entre-temps, mais enfin, moi, je le vois à quelques machin, et je dis, oh les gars, un peu de bienveillance, hein. Le groupe, déjà que c'est pas fait pour être une hotline de je me répare mon truc, ou je me. Voilà, non, non, c'est pas fait pour ça, hein. Moi, au départ, quand j'ai fait ça, c'est pour qu'on rigole. Bon, là, c'est pour aider, ok. Mais si en plus, c'est un truc, là où on va partir, l'autre qui va dire, ouais, toi, t'es moche, toi, t'es pas beau, eux, ils travaillent bien, eux, ils travaillent pas bien. C'est moyen, quoi. C'est très moyen. Voilà. Donc, et puis, la preuve, c'est que, hein, je ne veux pas rentrer dans les détails. Imagine même le mec, il a mal bossé. C'est un gars, c'est pas la GDT. La preuve, c'est que derrière, oui, bababi, mais ça part sur le challenge, et ça part dans tous les sens. Non, mais attends, calmos, calmos, calmos. C'est typiquement, c'est un peu comme je lisais là tout à l'heure dans la matinée. À la télé, quelqu'un qui disait, oh là là, ce soir, il va pas falloir parler politique sur les maisons à propos, comment dirais-je, à propos de politique. Si vous parlez politique en famille, ça va partir en live avec les machins. Voilà, il y a des sujets à éviter. Alors je sais, hein, c'est chiant, hein, parce qu'on a envie de parler. Oui, mais c'est pas l'endroit. Le truc, c'est ça. Et puis, il y en a certains qui des fois disent, ouais, mais la liberté d'expression. Non, sur ce sujet, il n'y a pas de liberté d'expression. Voilà. Tu veux engueuler tes collègues parce que voilà, si t'es pas bienveillant, ben, tu vas le faire ailleurs. Ben, pourquoi ne pas faire une communauté Plaza Ah oui, mais c'est con, la GDT n'a pas accès à Plaza. Mais voilà, pourquoi pas, tu vas là-bas, tu dis, ouais, j'en ai marre. Alors des fois c'est GDT AD, des fois c'est techniciens commerciaux, des fois c'est grand public entreprise, enfin bon bref, c'est petit et il n'en faut pas. Salut Sandrine, salut Xavier. Alors il y a deux Xavier, Xavier Pods et Xavier Dagra. Alors mais Xavier, ben, je vous tire mon chapeau les garçons. Allez, je reviens là-dessus parce que je vais aller chercher, voir qu'est-ce qui s'est passé sur le. Je sais que ça doit être un peu fatigant quand ça tourne comme ça. Bon, ça, je l'avais vu, les petites lettres de. Je l'avais vu. D'ailleurs, attends, le grand, c'est quoi? C'est le plein écran 5. Non, mais attends, je maîtrise un peu mon outil. Ne hein. T'inquiète pas, ça vient. Noël magique, oui. Si on pouvait arrêter, écoute bien ce que je dis. Hein, je ne le dirai pas deux fois. Si on pouvait arrêter d'envoyer les petits sapins qui clignotent en MP, les petites couronnes, oui, non, mais joyeux Noël, tout va bien, tout va bien. Mais parce que ça fait beaucoup de trucs qui clignotent. Si je tenais le gars qui a inventé ce truc-là. Alors, je vois même pas pourquoi ça part challenge. Alors, attends, je vais lancer ça. Ça, c'est André qui nous a fait un grand truc. Ça t'a énervé, André? Je vois même pas pourquoi ça parle challenge. On a ouvert une ligne sans accord, réclamation, éventuellement courrier au national et c'est tout. Pour les challenges, le comité d'éthique est là pour gérer, que ce soit AD ou GDT, c'est la même chose, on bosse dans le même but. Ouais. Ok. Oula, mais oh là, tu écris des gros trucs. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour à tous, courage à ceux qui sont au travail comme toi. Moi, j'ai une pensée aussi pour ceux qui vont aller bosser et donc qui vont rentrer, qui vont pas pouvoir préparer leur petit réveillon, hein. Ça va être la misère, quoi. Alors, de toute façon, il y a des identifiants du conseiller, on peut donc retrouver, donc régler les comptes en direct avec la personne. Régine, tu viens de dire exactement le mot. Parce que même si on n'a pas, on n'imagine pas, un jour j'ai travaillé, j'ai fait un vrai boulot. Je dis ça pour les rageux qui disent que je branle rien de la journée. Hop, ça c'est fait. Et donc, quand j'étais en boutique, ça nous arrivait de récupérer des dossiers. On dit, putain, qu'est-ce qui a été fait? Eh ben, on trouve qui c'est. On a un annuaire, on est big data. Tu trouves le gars, tu l'appelles, tu règles tes comptes. Régler ses comptes sur la communauté des agrumes, ça me gêne parce qu'en fait, c'est presque, j'allais dire, semer la zanie. Difficile à dire. C'est comme je suis passé chez Soch. Voilà. Donc, merci, Régine. Ça, c'est une bonne truc à savoir. Et puis, si tu sais pas comment, tu demandes à ton collègue, il va te dire comment on fait pour retrouver les collègues, les trucs. Salut, Sandrine.
Sandrine, du côté de Marseille, ça faisait longtemps, hein? Je vais dire, quelqu'un qui n'est plus sur la communauté des agrumes passagèrement, j'aurais tendance à dire, il y a de l'amour dans l'air. Non, je rigole, il y a toujours de l'amour, mais beaucoup plus. Hein? Il y a plus d'amour, il y a moins de communauté des agrumes. Non, mais en général. Alors, qui est arrivé? Rouge et Patrice, Ecofox. Ah, mon ami Ecofox, bah écoute, joyeux Noël à toi. C'est vrai que tu passes de temps en temps, Ecofox. Dis donc, ça va faire un moment qu'il est à la retraite, notre ami. Cécile qui est là. J'adore Cécile, comment tu vas? Quand est-ce qu'on se fait ce karaoké? Ce karaoké géant avec, comment il s'appelle? Avec Jean-Mi. Hein? J'espère que tu n'oublieras pas de m'inviter. Je rappelle quand même que le Skype est ouvert pour ceux qui veulent appeler. Christophe Adéhi sur le Skype grand public. Vous n'hésitez pas, vous rentrez dans la matinale, c'est direct inside. Bonne journée les agrumes. Letty, tu travailles? Punaise, mais quand je pense qu'il y a des gens qui travaillent le 24, c'est mal tombé comme ça. Et puis, on va repartir sur le même truc de dire, ouais, est-ce qu'on a droit à quelques jours? Ah, Michael qui dit de l'amour dans l'air ou un changement de métier. Exact. C'est vrai qu'en général, quand on change de métier, on doit se concentrer un petit peu plus. Et donc, on est moins présent. Bon, après, salut Kumba, comment tu vas? Pegasus aussi qui est là. C'est vrai que lorsque tu changes de métier, oui, mais au début, tu fais le sérieux. Mais après, tu peux me mettre un MP et me dire, tu vois, maintenant, je ne peux plus assister à la matinale parce que tu comprends, à 10h, je suis occupé et tout. Fais la matinale le soir ou alors viens le samedi. Ou dis-moi de la faire à 7h du matin. Ça va être compliqué, hein. En fait, j'aimerais pour la Réunion faire des matinales même à 5h parce qu'à 5h, il est 8h là-bas, donc au début. Mais 5h du matin, ça va être compliqué pour moi. Bon, Philippe, tu vas bosser, va bosser, c'est bien. Kumba, tu sais que j'ai envie de faire une matinale avec toi ou même un selfie. Donc voilà quoi. Dis-moi quand je viens, il reste encore quelques jours. Si tu travailles, dis-moi, on se donne rendez-vous. La matinale, c'est 20 petites minutes de ton temps et pour moi, ça va faire un bonheur. Je vais avoir mon 2019 qui va être flashy. Donc dis oui. Ça avait vibré. Et tu sais que ce truc-là, quand tu restes assis trop longtemps et tu dis lève-toi, le truc qui énerve. Une deuxième activité qui prend de l'ampleur. Ah, qui ça? Ah oui, toi, oui, je sais. Ne dis rien. Tu n'as pas le droit de faire de la publicité. Oh, Hugues, c'est quoi ce désordre? Ouais, donc Hugues, on va aller faire l'after work de Marseille, c'est chez toi, direct. Allez, Régine, beaucoup de courage à toi. Joyeux Noël à toi. Beaucoup d'amour. Et oui, on en a besoin. Et puis, à très bientôt. Hein. Tu sais que nous, on ne ferme pas. On est là tout le temps. Il y a Monique Tachon qui est là aussi. Bonjour, Monique. Et Nadou. Nadou, quand je vois Nadou, 10h, 10-5, il est 5h30 à Guada. Et Nadou est debout. Elle est là avec nous. Nadou, tu veux que je t'appelle? Tu veux que je t'appelle? Messenger. Tu sais comment moi, je suis. Hein? Moi, je m'en fous. Hein, j'appelle hein, avec Messenger. Il y a beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de travail. Un bisou. Frileux de Bruxelles, ah ouais. Il fut une époque où je traînais souvent en Belgique, en plus toujours par cette température. J'avoue que c'est beaucoup. Pegasus, tu as regardé à combien on était? Attends, on va le dire. On va regarder là. Tiens, c'est bizarre, le truc là, il arrive à s'éteindre et ça reste allumé. Enfin, je me comprends. Des fois, je dis des trucs, quand je les écoute, je me dis que personne ne doit comprendre ce que je dis. Alors, tu sais que tu bosses chez Orange quand je regarde. Non, 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 ok, tu vas ici. 11 255 membres, pas mal, hein? Ça fait plaisir, non? J'aimerais aussi, on va en faire un, t'inquiète, je ne suis pas au bureau en ce moment. Ok, mais, moi je dis comme ça, hein, juste, hein, même si c'est pas au bureau, hein, on s'en fout. Si vous voulez faire Tour Eiffel, bon, les Champs-Élysées, il faut éviter le samedi seulement, parce que ça peut être un peu... Ah, bon, Nadou dit que je suis au lit, d'accord, tu te veux... Ah, mais ça se comprend, hein. Je ne sais pas si tu bosses aujourd'hui, puis sinon pourquoi tu es réveillé? On se demande, tu allais faire quoi en Belgique, hein? Moi? Ben, j'ai de la famille, non? Alors, André, tu ne peux pas douter que je peux aller au bout du monde, hein? C'est pour ça que j'allais en Belgique. Alors, qu'est-ce que je voulais vous... si quelqu'un a vu quelque chose sur le groupe et qui veut qu'on en parle, on en parle. Je regarde, Lulu qui s'est acheté un iPhone, ok. 19 000. Ah, Michael, est-ce que tu as vu ça? Ce truc, attends, comment je fais pour le mettre? iPad C, iPad C, 4. 4, 4, 4. Tu as vu ça?
19 000 Livebox qui ont perdu leur Wi-Fi. Enfin, je sais pas, c'est écrit en machin. C'est chaud, ça, quand même, non? Apparemment, surtout en Espagne. Hein? Non, mais je dis ça à... je dis ça à Michael. Mais regarde, regarde. Il y a un problème avec les Livebox. Bon, je compte sur toi. Hein. Kumba, dès que tu peux. Voilà. Aucun souci. Moi, je suis prêt. Tu es en place. Je suis en place. En tout cas, j'adore tes lives. Hein. Kumba fait des lives où je ne comprends rien. Hein. Parce que, comme tu parles une langue que je ne comprends pas. Mais j'écoute la musique. J'aime bien la sonorité de ça. Donc, des fois, je me mets ça, j'écoute et c'est ça. Voilà. Bon, à très bientôt. Bye bye. Michael, il faut que tu nous expliques. C'est quoi ce désordre là? Tu as laissé fuiter les Wi-Fi de la box? En plus, c'est écrit en anglais. Donc, déjà, il faut comprendre. Hein. Voilà. Ah, juste en dessous, oui, ah, l'IA de Sébastien. Sébastien dit que l'IA d'Amazon a été dupée par un simple perroquet. Ceci dit, vous avez déjà vu ici comment mon Siri répond à Siri. Mon Siri répond à tout, sauf à moi. Donc, voilà. OK, Google, c'est à peu près bien. Tiens, il réagit. Super. Alors, là, il était question, je crois, que... OK, Google a été dipé par un perroquet qui passait des commandes et tout. Bon, OK, passons. Là où je me suis un peu pris de gueule en bas, c'est qu'il y a quelqu'un, Alexandre et Georges, qui sont partis dans un débat sur la GPEC ou je ne sais pas quoi. Franchement, j'étais dans mon canapé. C'est le genre de truc où, tu vois, j'ai envie de me taper la tête contre le mur. Je mets le sujet, c'est l'intelligence artificielle et Google. Et machin. Bon. On se dit, ouais, Jingo, j'espère que Jingo. Bon, déjà, merci, on va donner un petit peu de chance à Jingo. OK, Google, c'est le meilleur assistant sur le marché pour le moment. Bah, tu sais, mon ami André, tu sais que je crois que je vais acheter le petit, parce qu'à 20 euros, honnêtement, ça vaut le coup de faire l'expérience. Et puis, s'il faut encore attendre 4 mois que Jingo sorte, au moins comme ça, j'aurai un peu d'expérience. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Hein. Le truc sur l'intelligence artificielle, c'était pas ça. C'était de dire qu'à l'intérieur de ce poste, qui est tout à fait normal, eh ben, il y a quand même deux qui ont réussi à aller se lancer sur un débat stérile. Sur toi, tu as signé, moi, je n'ai pas signé. Franchement, quand j'ai vu ça, on peut en rigoler, mais moi, ça me fait moins rigoler. Et je pense aux modérateurs qui se disent, putain, on a dit, bon, pas de syndicat, pas de machin, mais il y en a qu'on dirait qu'ils font exprès, tu vois, exprès, tiens, je vais mettre un petit truc, on va voir. Mais évidemment, tu mets un petit truc, c'est sûr qu'il y en a un autre de l'autre côté qui va dire, non, c'est pas vrai, toi, t'es con, toi, t'es pas beau, et ça part en live. C'est pénible, enfin je sais pas, hein. André, toi tu es modo, qui d'autre est là? Il y a Mastou, il y a Olivier, franchement, tu ne penses pas par moment que c'est pénible de devoir faire comme si on était dans une cour de récréation d'école à distribuer des baffes? Non mais bon, tu peux dire, voilà, non mais c'est tout. Moi j'ai constaté ça, je trouve ça un petit peu moyen. Enfin bref, pas sur le 5. C'est encore un des trucs que j'ai vu. Après, franchement, je crois que je vais me lancer sur un petit... Ah, il marchait bien, hein, le post sur la prime. Hein. 269 commentaires. Hein. Alors, André dit, ces derniers temps, c'est chaud. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des trucs. Nadou qui dit qu'elle est au lit. Ouais, je mets ça. OK, Google, ça va rester le truc. Michael qui dit, il dit, désolé, c'est pas de ta faute, mon ami. Si la Livebox a laissé fuiter, elle a fuité. Hein. J'allais dire une connerie. Tu vois là, l'espace d'un instant, j'allais dire une connerie. En tout cas, sache qu'hier, tout l'après-midi, j'ai passé du temps à configurer une Livebox. Enfin, pas tout l'après-midi, 2-3 heures. Ça s'est bien passé jusqu'au moment où il a fallu que je mette mon décodeur dessus. Là, j'ai pris les nerfs. Et j'ai abandonné. Parce que dans une maison où il y a beaucoup de familles qui regardent la télé, quand tu coupes le flux Netflix, tu sais comment ça fait? Tout le monde te demande. Voilà. Non, mais bon, c'est tout. Gros bisous, Kumba, à bientôt. Nadou, c'est les filles qui t'ont réveillé. D'accord. Donc là, je regarde. Bon, pour la prime, ça s'est un petit peu calmé. Je pense que le dernier, il remonte à quand? Ouais, ça va. Oh, le coup de l'ex. Le coup de l'ex oh, ça va faire un an que mon ex qui m'a trompé est morte. Ah non, il faut que je te montre ça. Franchement, ça, il y en a certains qui l'ont signalé parce qu'ils se sont dit c'est dégueulasse. Mais franchement, moi, ça m'a fait rire. Le coup, là. En fait, tu vois, non, mais le truc, il est... En plus, il est bien foutu. Ça, c'est typiquement le genre de truc que je peux faire. Je me sens bien. Hein?
tu es équipé? Ah ouais, non. Ah, tu sais, non, Kumba, tu sais que j'ai vu une photo, on a la même chose là. Où est-ce qu'il est mon morceau là? Tu sais, le cercle de lumière, sauf que moi, il n'est pas cerclé parce que j'ai trois écrans, je regarde, il est au-dessus. Ça, on a la même chose. Après, c'est vrai que... Ah, non, je te montre la petite merveille. La petite merveille, c'est ça. Est-ce qu'elle peut arriver jusque là-bas, s'il vous plaît? Merci. La petite merveille, c'est ça. Ah merde, j'arriverai pas. Faut passer en dessous de ça. Voilà. La petite merde, la petite merveille, c'est ça. Voilà, tu vois? Ça, c'est un... Oh, je te montrerai. Stream Deck, c'est trop de la balle. C'est ça qui me permet de passer de truc en truc. Tu vois, je fais hop, 5. Je passe là. Ça te fait changer les 4. Hop, tu vois, ça, c'est top. Tout seul. T'es pas obligé d'embaucher quelqu'un. Non, mais honnêtement, c'est vrai que s'il y a quelqu'un avec toi, c'est bien. Le seul truc, c'est que j'ai déjà fait des directs comme ça en étant dehors. C'est-à-dire que tu te connectes sur la 4G. Et là, c'est chaud quand même. Parce qu'il faut l'ordinateur obligatoire, la caméra, le truc. Il faut rester groupi. Hein. Bon, et puis le bruit, tout ça. Non, mais ça va. En plus, j'aime bien parler matos. Hein. Tu as vu, tu m'as lancé sur le matos, je suis parti dans tous les sens. Ça, c'est bien. Le truc de la. Non, j'adore. La fille qui dit arrête de dire aux gens que je suis morte, espèce de clochard. Et le gars qui dit parfois, j'ai l'impression qu'elle comprend mes statuts en étant du paradis. C'est-à-dire, ils sont plus ensemble, mais ils sont encore amis sur Facebook, donc ils s'écrivent. Bloque là, puis c'est tout, non? Punaise. Ah, les gens sont forts. Plein écran, c'est 5. Non, ils sont forts. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Michael, je compatis, j'ai le même. Quoi? Ah, Michael dit, j'ai mon propre réseau sans recevoir des plaintes de toute la famille. J'ai une solution pour ça, hein, Michael. Alors, bon, évidemment, il faut être. J'ai une solution. C'est que tu fais un abonnement pour la famille et celui-là, tu n'y touches jamais. Hein, tu mets les décodeurs, le machin bidule. Et tu prends une deuxième ligne pour faire tes tests, tes trucs. Il n'y a que comme ça que tu es tranquille. Et moi, en fait, j'ai les deux lignes. Mais la deuxième ligne, je ne l'ai pas à la maison. Donc, je vais aller mettre, pour faire mes tests, je vais aller faire ça dehors. Parce que c'est vrai que tu n'es pas tranquille. Tu sens la pression. Quand tu fais le truc et le machin, il dit configuration 1 sur 3, 2 sur... En général, quand tu coupes, tu sais qu'il y a une espèce de bufferisation de Netflix. Donc, ça ne vient pas tout de suite, la gueulante arrive un peu plus tard. Et donc, tu as déjà relancé le truc, ça fait 1 sur 3. Puis ça dit, oh, mais c'est quoi, ça fige. Ah oui, ça fige. Et en plus, en général, il faut débrancher les décodeurs. Parce qu'après, ça perd son truc. Ouh là là, c'est un truc de fou. Enfin, bref, tu m'as compris. Bah, écoute, bosse bien, mon petit Olivier. Je regarde un peu sur le groupe s'il n'y a pas eu des trucs aussi. Sophie et Paul dimanche. Moi, j'aime bien les gens qui bossent le week-end. Oh, j'adorais la grand-mère à qui on fait tomber le téléphone par terre. En fait, elle croit qu'il est cassé. Elle veut tuer. L'histoire des pulls. L'histoire des pulls, là, mais. Ah, il y a Nathan qui nous a rejoint. Nathan BNN. Hello, les agrumes. Le téléphone ancien. C'est vrai que l'histoire des pulls, moi, ça m'a. Ce vieux pull, c'était des choses d'avant. La boutique des champs, Sonia qui a été faire la boutique des champs et qui n'a pas fait de photo. Elisa qui nous a mis un truc. Ah oui, le sujet du prélèvement à la source. C'est ça qu'il fallait que je regarde. Il paraît que sur nos fiches de paye de ce mois-ci, hein, on nous a fait une simulation. Allez regarder. Voilà. Pierre qui nous a partagé, c'est qui? C'est quelqu'un de la fibre sous-marine. Ok. Ok. Non, bah, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ah, j'adorais. Tiens, je vais mettre ça parce que je sens que. Voilà, elle va regretter de l'avoir mise la photo. Voilà. C'est Céline qui nous a mis une photo avec son boss. Elle croyait que ça allait passer inaperçu. Non, mais Céline, il faut te dire qu'elle est spécialisée dans les photos avec SR. Tous les ans, elle en fait même des fois deux, trois fois par an. Mais là, sur ce coup-là, elle a fait avec son boss. Hein, donc voilà. Salut Isabelle, comment tu vas? Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc hop, je reviens ici. Voilà. Il est quelle heure? 10h39. Mais écoute, je vais te laisser vaquer à tes occupations. N'oublie pas de. Ben, pour ce soir, je ne sais pas trop. Nous, on fait ça en famille et tout. Comme on a fait de la musique il y a 2 jours, je ne vais pas en refaire là. Je ne sais pas. Je sais pas, je me tâte. Ah oui, mais demain c'est mardi. Demain c'est mardi cinéma. Ah non, mardi cinéma avec Alice comme d'habitude. Et donc on va faire un truc spécial Noël, hein, pour le film, etc. Les codes ciné-dé, tout le désordre, tout ça. Voilà, j'espère que tu vas passer une bonne journée aujourd'hui.
J'espère aussi que tu vas être gentil, trêve de Noël, hein. On va pas trop s'engueuler, on va rester cool. Et puis, on se donne rendez-vous, hein, comme on a dit. Sois beau, sois fort. Et c'est pareil, j'ai une touche pour arrêter. Ah, il y en a qui sont au boulot quand même. Ah oui, il en faut. Hein. Il en faut. Il en faut. Après, des jours comme ça au boulot, je pense que c'est assez. C'est trêve, tu vois. À la cantine, on doit être coolos. Non, ça va être cool. Hein. Moi, j'y vais là tout à l'heure. Je ne vais pas rester longtemps, mais bon, j'y vais quand même. Voilà. Ouais, beaucoup de courage à ceux qui bossent vraiment très tard ce soir. Et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, à ceux qui vont passer le réveillon seuls. Il y en a beaucoup, hein. Et oui, beaucoup plus qu'on imagine. Hein. Déjà, moi, je pense à ma nono. Ma nono, elle a dit, elle est rentrée à 20h. Enfin, elle finit à 20h. Le temps qu'elle rentre chez elle, elle ne va rien pouvoir faire. La famille est un peu loin, donc elle va rester toute seule. Non, mais il faut y penser, hein, voilà. Donc après, c'est pas. Voilà, j'allais dire, des fois, tout seul, c'est bien. Hein. Devant ta petite bouteille de champagne. Tu sais, ils font des bouteilles de champagne pour seul, pour personne seule. C'est bien aussi. Voilà. Après, moi, je peux mettre. Je peux faire un live, un blue jeans, et puis on vient tous parler dedans, quoi. Alors, si la famille me laisse. Hein. Après, ça dépend. Nous, je pense pas qu'on va faire trop de folie. Il reste plus beaucoup de robes. Par contre, il y a au moins 5 bouteilles de champagne, franchement. On va être obligé d'aimer le champagne. Tu vas faire comment? Bon. Allez. On se quitte avec. Ah oui, un petit. On n'oublie pas tous en boutique, bien sûr. Le Wonderful Noël, c'est fini. Mais le dernier. Un autre petit tous en boutique. Et là, ce coup-ci, c'est tous en boutique avec David de Guadeloupe. Qui me l'a fait. Donc, je te laisse là-dessus. Et tu n'oublies pas, hein, juste après ça. Hugues qui dit sa porte est toujours ouverte pour ceux qui sont seuls. Ben, la mienne aussi. Hein. Tu veux dire quoi? La mienne aussi. Voilà. Allez, bye bye. Prends soin de toi. Puis passe de bonnes fêtes. Bonjour à tous, cette année, venez tous en boutique afin de satisfaire tous les clients en décembre.